Il faut que je persévère. Ferme ta gueule, roulement impersévère. La bitch elle veut que je la berne. Je mange la baisse. Joli pattern. Oh, j'ai merdé là. J'ai merdé les gars. Je vous dis, j'ai merdé. Ça va ou quoi les refs? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il pleut malheureusement, on est dans la continuité de notre périple. Vous le savez déjà, avec ce magnifique van, la rue a du talent, ton concept préféré. Aujourd'hui, mauvais temps, on est à BX. Bruxelles mesdames et messieurs, je rappelle le concept, on va aller faire rapper des gens dans les rues de Bruxelles. La personne qu'on trouve la plus forte avec mon invité, qui est aujourd'hui monsieur Chrissy mesdames et messieurs. J'ai appris, je commence et je fais de mon mieux. Il y a une session studio qui l'attend et on lui fait un clip direct dans la foulée les refs. Tu le vois derrière, il nous accompagne encore une fois, c'est bien évidemment JD Sport mesdames et messieurs. Venez à l'intérieur de la boutique là. JD Sport, tu le sais déjà, ton retailer préféré. Aujourd'hui, full drip Adidas. Une petite note là, une petite note sur le flow les refs. Merci, c'est validé. Vous le savez déjà, on aura quelques cartes cadeaux à balancer dans la rue aux gens qui viennent freestyler et ils pourront directement venir dans ce shop ABX pour se régaler. S'ils veulent acheter la même veste que moi, voilà, c'est ici les refs. Donc c'est parti les refs, on file dans les rues de Bruxelles avec monsieur Chrissy. Let's go, générique. De m'accueillir ici. Avec plaisir. Malheureusement, le temps n'est pas avec nous. Bienvenue chez nous. Ouais, merci. Première fois que je viens à BX. On a bien mangé hier soir. Vous avez mangé où? On a mangé un petit mexicain de qualité. Il faut que tu me donnes des adresses. Comment tu le sens là un petit peu? Est-ce que tu sens qu'il peut y avoir des bons talents ici? Franchement, je pense que oui. Après, avec le temps, je sais pas s'ils sont de sortie. C'est mais ça. Techniquement, à Bruxelles, il y a énormément de talents, donc je ne fais pas de bilan. Ouais. Ça va le faire. Là, on est dans les halles. Ouais, dans la galerie royale. Ouais. Exactement. Ça me fait grave penser le passage de la Pommerée à Nantes. C'est exactement pareil. Là, on est à l'abri, on est bien, mais on va se diriger pour le premier spot à la place de la Monnaie. Okay. Comme ça, il y a un petit endroit abrité. On a donné rendez-vous aux gens là-bas. On espère que les gens seront au rendez-vous malgré la pluie. Ça va le faire. Est-ce qu'avant de se diriger, tu as peut-être une petite actualité, un truc que tu voudrais partager? Franchement, pour moi, non. J'invite en fait les gens à découvrir les artistes de Bruxelles. Okay. Il y a toutes sortes de pages comme culture urbaine, etc. Bruxelles, Tarmac. Okay. Et voilà, ouais, aller découvrir les artistes de Bruxelles, il y en a énormément. Non, mais moi, j'avoue qu'un artiste de BX que j'écoute beaucoup, bah Green Montana. Ouais, bien sûr. Ce qu'on va faire les refs, c'est que là on va prendre le van et on va directement aller au premier spot. C'est parti, let's go. On y va? Ouais. Let's go. Attends d'ailleurs, je te laisse ça. T'as la petite paire que t'avais choisie. Ouais. Il y a une veste, il n'y avait pas la veste. Ok, nickel. Je sais pas, je la trouvais cool. Je me suis Elle est nice, même la couleur elle est cool. Et il y a une petite carte cadeau à l'intérieur en plus. Let's go. Ouais, c'est let's go, direction place de la Monnaie les refs. On y va. T'as pas un petit artiste à me reco un peu en là, ce moment là? BX, franchement là pour l'instant j'écoute beaucoup Gecko. Très vibe, très carré en vrai. Ouais, des vibes très R&B, très chantées aussi. Ok, ça me parle. Moi j'écoute beaucoup. Tu connais Made in Paris? Ouais, bien sûr, des petits à moi de ici à Bruxelles m'ont ramené en showcase. Ouais, tu me disais, il y a pas mal de soirées ici même. Ouais, des concepts, des soirées. Bah là, la soirée en l'occurrence où Made in Paris on l'a invité, c'était une soirée 100% R&B. Ok, ouais, lui il est dans ça. Ouais, ça rentrait dans le thème. Nous sommes arrivés. On va pouvoir sortir d'ici, récupérer l'enceinte, le micro et place au talent. Bon, nous voilà, malgré le temps, nous voilà équipés de notre micro, de notre enceinte. Exact. On va s'abriter sous le Théâtre Royal, comme ça on sera un petit peu à l'aise tranquillement. Et on va attendre les jeunes talents de BX. On va se mettre là, je vais faire une petite story. On va voir si j'ai de l'impact ou pas même à BX. À Bruxelles. On va voir. La première fois à BX ou quoi? Ouais. Ouais. Grande première. Je n'en entends que du bon. Et malheureusement, il pleut quand je joue. Ouais. Parce que quand il fait beau, ouais, c'est un autre Bruxelles. Mesdames et messieurs, nous avons le premier challenger. Il a bravé la pluie. Regardez son sweat. Je te laisse ça, mon frérot. En gros j'étais dans une cabane, on t'imagine que je finirais dans une cabine. T'es ma comment les produits, les habits m'appuient avec les mots, les rêves sont paradines. La concurrence elle avait mon âge quand les skis me venaient à peine de prendre vie. Aujourd'hui quand je caresse son body c'est cette même le savoir une âme, j'ai le pétard en poil. Je suis loin de canet donc il reste à ma droite. La concurrence me souge, la bouche rabatte. Oh là je suis trop puissant, dis-moi qui peut m'abattre. Dis-moi qui peut m'abattre. Qui ça?
Qui ça, mesdames et messieurs? Non, non, non. Ok. Ah, laisse-moi checker. Ouais, c'est chaud. Chaud. Premier challenger. Premier challenger. Attention. Non, franchement, respect, frérot. Parce que là, je suis en 6ème. L'année prochaine, c'est la fac. Si je perds ça avant, ce serait d'art. J'allais dire en 6ème. Moi, j'ai bugué, frérot. Moi, en 6ème, t'as 12 ans ici. Moi, je me suis dit, attends, il y a un problème là. Donc, t'as quoi? T'as 18 ans? 17 là. Ok. Et une voix plus grave que moi. Eh oui. Bah merci frérot. Nous avons des cartes cadeaux. Ok. C'est-à-dire que s'il y a un mec qu'on trouve très très chaud, on peut aussi lui offrir 50 euros. Pour le coup, lui il était très chaud. On peut le rappeler. Ouais. Frérot. Ouais. Je t'offre un truc. 50 euros JD Sport. Non. J'aime bien ce qui se passe. Ça commence bien. Malgré la pluie, cet homme nous a ensoleillé. Moi j'aime ouais, bien. Ouais, de ouf. Même le beat switch. Ouais, j'ai bien aimé. La prestance. J'aime bien ce qui se passe. C'est ça. Tu vois, il est arrivé, il est passé devant nous carrément. Non, c'est chaud. C'est un son que j'ai fait pour ma meuf en vrai. Ok. Donc il faut un truc un peu love. Ouais. T'as vu, moi je mets Tight Beat Luigi. Directement, tu vas trouver direct, là c'est sûr. Attention. Pour madame. C'est pour toi, Moss. Ok, allez. Mes potes me donnent un nouveau nom. Ils m'appellent le piqué mignon. Toute la soirée, j'ai que parler de toi. Je fais la promotion. Auprès de toi, je veux assumer. Sans pression, je peux te l'assurer. Même si l'amour m'est déroutant, tu me donnes l'envie de persévérer. Ok, le mec nous a fait 2 minutes 40 de déclaration d'amour. J'espère qu'elle sera contente avec les patates rissolées et tout ça. Big up à elle, hein. Et merci pour la participation, mon frérot. Oui. Il l'aime beaucoup. Non, il avait des choses à dire. Il avait des choses. Il l'aime beaucoup. Je voudrais participer, s'il vous plaît. Ah, tu veux participer, ça, oui. Donnez-moi le micro. Vas-y, négro, fais tourner ton poil comme la daronne le fait pour la pâte à baigner. Ok. Le sourire a fait la surprise. Ah, c'est tu mort. J'ai rêvé d'être rappeur, mais j'ai jamais su. Tu rappes, frérot? Vas-y, let's go. Hein. Okay. Je fais de la vapeur sous la verse. Les basses font trembler la messe. Je veux déplier comme mes cernes. La bitch elle veut que je la berne. Je mange la baisse, joli pattern. Attaché ma femme, j'ai les vies serrées. Main dans les poches au milieu de l'incendie. L'odeur des snitch qui brûle, j'ai un grand sourire. Le tien est faux, je l'avais bien senti. Chaque matin la trique, chaque matin l'orage. Les pieds dans la boue, on aime ce qui est brillant. Nos yeux dans leur mire, comme pris en otage. L'esprit dans le flou, on aime ce qui est filant. Yeah, yeah, yeah. Let's go. Tout sert à rien, monsieur. Merci. Franchement, lourd. Est-ce que c'est possible ou pas? Ah, pour faire des photos en mode argentique? Ouais. Ouais, si tu veux, ouais, y a pas de soucis. J'aime beaucoup la photo, mais je suis très mauvais. Très mauvais, et en plus, je suis daltonien. Donc, pour de la retouche, ça va, tu vois, pour des clips, je peux maquiller. Quand je faisais des clips, on voyait pas que j'étais daltonien, tu vois. Les retouches étaient à peu près bonnes. Mais alors, en photo, j'ai l'impression, des fois, ils m'envoient des photos. Je fais non, il y a trop de verre. Il fait, il y a pas de verre sur la photo. C'est vrai. True story. Bon, allez, on y va. Changement de spot. Let's go. Bon, là, on file au kiosque. Qui est juste à côté. On a déjà une petite team qui nous attend là-bas. J'ai vu là, il y a 5-6 personnes qui sont arrivées, ils sont partis là-bas. Ils sont prêts, ils sont prêts. Ils sont prêts, hein. Et t'as des petits lieux où tu peux me faire des petites anecdotes en mode il y a eu un clip ici, machin. Bruxelles Vie, je crois qu'il y a une partie qui a été faite ici. Ok. Je pense, ouais. Enfin, Bruxelles Vie, c'était vraiment tourné ici dans le centre. Ok. Bon, là pour l'instant, le niveau, je pense que là, on est d'accord que notre préférence, elle reste sur le premier. Je crois que c'est l'Eskimo. Ouais, c'est ça. Pas, hein. Pour l'instant, c'est celui qui ressort du lot. En vrai, les plus jeunes aujourd'hui, ils ont dans la musique, ils sont déter. Hein. Après, ils ont plein d'exemples maintenant. C'est ça. Là où à l'époque, un jeune, en tout cas ici, il avait pas d'exemple. Aujourd'hui, en tout cas en Belgique, les exemples commencent maintenant. Ils ouais, peuvent citer Damso, Kaba, Hamza, ouais, etc. De fou. C'est ouf parce qu'en soi, c'est pas si... C'est jeune. Hein. C'est jeune en vrai. Ouais, c'est jeune. Chez nous, c'est jeune. Il y avait quand même pas mal d'artistes, mais il n'y avait pas Internet du coup. Ouais, c'est ça. C'était un peu plus difficile de tomber sur eux. Sinon, ouais, nous, c'était MCM avec Doc Gynéco, MC Solar. Ouais, comme mon daron. Mon daron m'a saoulé avec MC Solar. Ouais, je pense comme beaucoup de darons. J'en pouvais plus. Caroline, les gros, il me l'a chanté. Je me suis dit, je m'en fous. Je veux pas cette chanson. Le médecin il m'a dit qu'il faut que je fasse des cours de yoga. Franchement moi je l'ai fait plusieurs fois, ouais, j'ai un peu de lecture. Travailler l'esprit. Ouais, gérer une société, etc. C'est, on se rend pas compte, mais ouais. Charge mentale que ça te fait le truc, des fois ouais. tu paniques pour rien. Généralement c'est moi qui gère tout parce que comme toi j'ai commencé solo. Ouais. Du coup déléguer c'était. Ah bah on connaît. C'était un gros problème, mais là ça va, cette année là je commence à beaucoup déléguer, je me sens hyper bien. T'es chaud? Ça vient de l'hôte. Okay. Je représente le 16. Non, je déconne. Et voilà, c'est tout. On est là pour rapper tranquille et voilà, c'est tout. Bonne ambiance. Pour être dans le top, il faut que je persévère. Ferme ta gueule, roule-moi impersévère. Tu imbats tout bien plus noir que les ténèbres. Arrête de parler, tu m'énerves. Tu vois la drums arriver, tu deviens pâle.
J'suis pété sous Doré qui me fracasse le crâne. Des jeux dans l'axe qui depuis le début font que du sale. C'est que tu m'énerves quand tu parles. J'suis pété ce soir, j'ai vidé toute la taille. Ce sera comme ça demain et j'ai déjà fait pareil la veille. J'attends plus que cette pute m'appelle. J'veux le 1 dans les classements, mais j'rêve des zéros sur ma paye. Toujours au charbon, c'est le même truc, c'est long, mais un jour j'mériterai le succès. Yeah, okay. Très très chaud. Moi je propose qu'on sorte les parapluies, monsieur. Ouais, quand même. Hein. Ça peut mériter une petite carte. Est-ce que tu peux venir, frérot, 2 secondes? Il y a un truc qui me gêne dans ma poche, j'aimerais trop te le donner en fait. J'avoue. Ça me gêne de fou. Il a envoyé. Ah, merci. Petite carte cadeau. Petite carte cadeau. 50 balles. Tu viens d'où à Bruxelles? En fait, on vient de Lot. Ah, ok. Et t'as pas fait la route exprès? Si, bien sûr que si. Ok. Next challenger. Il enlève la veste, carrément. Ah, non, il est prêt pour monter sur le ring. En visant la lune, avec un peu de chance, si je me rate, je n'irai peut-être parmi les étoiles. J'ai craqué. C'était trop dur de finir cette toile. Donc, elle a fini inachevée. Un son de plus que j'ai laissé sur le côté. C'est ce qu'on a quand on décide d'entreprendre des projets trop ambitieux. Autumn Tape, Winter Tape, putain c'était parfait à mes yeux. Dodo aussi, c'était parfait à mes yeux. Mais nique cette merde, je t'idéalise seulement parce que je sais que t'es plus là. Les erreurs du passé sont passées, faut qu'il est grand temps d'avancer. La peur j'en ai assez, gros j'en ai assez, faut tous les devancer. Le peur, c'est un sport de pensée, ouais. En fait, c'est un sport de pensif, putain. Ça m'a rendu agressif pour moi-même, j'suis devenu nocif, eh. Hey. Quand ça va mal, j'allume un spliff. Quand ça va bien, j'allume un spliff. Comme Baudelaire, j'ai le spleen. Yeah! Yes, sir! Ok, l'homme s'est livré. C'était exceptionnel, merci beaucoup, frérot. Bah, plaisir, franchement, moi j'ai envie de donner encore. Ouais, franchement, j'ai envie de donner encore, frérot. Ça sera flouté son visage cette fois-ci. Vas-y, mets la main. Petit drip. Parce qu'elle avait oublié, putain. C'était une prise de parti parce qu'il faut savoir que, en vrai, dans cet exercice-là, souvent, tu vois, les mecs ils vont venir, ils veulent freestyler direct pour montrer que, tu vois, on a un homme qui m'a DM. Pour me dire qu'il allait venir. C'est le génie gazeux, tu vois qui c'est. Le génie gazeux. Attends, il est pas dans la réserve. Ouais, ok, yes. Le clouto dingo. Le génie gazeux. Il m'a dit, moi, je veux freestyler. Je fais, bah viens. Non, il ira pas. Il m'a dit, je suis chaud. Ça peut être marrant. Et c'est toi la star, t'arrives, tu fais des photos, frérot. C'est comment? Ça va bien? Le génie. C'est ça. Sinon, Raska, toi, dans la vie, comment ça va? Est-ce que ça te va? Oui, oui, bah oui, mais totalement. La question était hyper fluide, donc je réponds avec une réponse hyper fluide, en fait. Ok, bah super, bah c'est génial. Raska, Génie Gazeux, Arthur, Bruxelles. C'est magnifique ce qui se passe ici. C'est incroyable. Quand je gratte, quand j'écris, c'est moi le best. Quand je rappe, quand ça kick, c'est moi le best, gars. Un footy a retourné sa veste, mais on connaît l'adresse, on va rayer sa Tesla. Oh, j'ai merdé, là. Moi, c'est un exercice difficile. Hein, Non, mais je suis dingue parce que je sais que ça rentre. Mais faut juste. Oh, ça rentre toujours. Hein. On va laisser manger un petit truc. Ouais, on peut même manger ici directement. Ouais, je suis pas convaincu de l'idée, mais. On va aller se grailler un truc et on va surtout débriefer, savoir qui est-ce qu'on va sélectionner pour la partie studio. Pas bien, en tout cas. Transition. Combien tu manges chaque jour? Ces rappeurs, je les baisse si fort, une main sur chaque joue. J'arrive dans la banque, le sac j'ouvre et je prends chaque sou. J'y pense chaque soir, elle m'a parlé d'amour, le cœur est sourd. Je suis seul et cool. Yeah. Très chaud, j'ai bien aimé la performance. T'as un poteau à toi qui est là aussi, qui veut performer. On enchaîne? Tiens, mon frérot. La guerre se gagne mais l'amour se meurt. Mon cœur j'en ferai le mercenaire. Je te bute, ça deviendra personnel. L'impression qu'être honnête, personne n'aime. Habité par des mutations, traqué par des sentinelles. Sur les toits, les gargouilles qui me scrutent. Je me cache dans un grand tunnel. Je me sculpte, narcissique, galaté, je me sculpte. Let's go. T'as assuré, frérot. Merci les gars. Merci pour la perf. Y'a encore moyen? Ouais, y'a moyen. Attends dans des films POV. Je passe ma journée à renifler mes lovés. Je suis un peu foncé, je pars en randonnée, je pense qu'enfanté, je suis grave endetté. Port du mail depuis que je suis borné, je fais que le lever facile abandonné. Jamais collé, j'envoie ma go voler, cherche jumelles ordonnées comme les borlés. L'homme a tenu. Non, franchement. T'as kiffé? Ouais, très très chaud. Est-ce que t'aimes bien JD Sport? Moyen, hein. Non, je gueule. Ouais, je kiffe. Bah, tu repars, voilà, c'est la dernière qui nous restait. Ça fait plaisir. On va aller à un monument de la cuisine belge, quick. Non, on voulait aller bouffer quelque part, mais niveau timing, ça va être compliqué, donc on finit au quick, c'est pas grave. Non, t'inquiète, le quick, je préfère le quick, c'est belge, on aime. J'ai mal à la taille du quick, cousin, voilà. On vient d'arriver au studio et il y a un homme qu'on a. Ouah, ma voix elle a bugué de fou. Il y a un homme qui est arrivé, l'homme qu'on a sélectionné. Vous devinez, l'Eskimo. Le premier qui est passé. Le tout premier, ouais. Incroyable, on va aller le chercher là. Enfin, il est juste là. Hein. Regardez, il nous attend. Ça va, t'as pas attendu trop longtemps? Non, tranquillement. Comment?
t'es prêt à tuer ça? Toujours prêt? Et ben on va au studio. Let's go. C'est juste là. Venez, suivez-nous. On a un beau studio, des belles prods qui t'attendent, un ingé son. Comme ça, j'espère qu'on va faire le job, hein. Let's go. Les gars, on vient d'arriver dans le studio, on va écouter des prods, on va voir un petit peu, mais monsieur est beatmaker. Ah oui. Attention, donc on a écouté, là on a entendu une ou deux prods qu'il nous a proposé juste avant. Moi j'ai un petit pack de prods aussi, s'il a envie de poser dessus. On écoute ça et on voit sur laquelle t'es le plus à l'aise. C'est un pote à toi. Il a placé pour Kelargo, Roshi et tout. Ok. Aussi du format, c'est de montrer ce que tu sais faire toi et ce que ta musique représente. C'est peut-être cool de rester un peu dans le même délire ou la même vibe, tu vois. Ouais, on va rester dans la même vibe, partir sur la prod. Donc là, c'est qui a fait la prod? C'est Edes. C'est toi? Allez, on part, on est sur Bouscapé. Un son en une heure, c'est parti. C'est parti. Vous aurez pas de contenu, je vais poser trop vite. Moi, je suis trop de spi. Je sais pas si je suis dans la ville du Nord. Vas-y, un petit mot avant de commencer. Un petit mot, qu'est-ce que je pourrais dire à part que je suis trop fort? C'est ça la vraie question. Non, je sais pas, ça fait plaisir. En plus, le studio, il est grand. D'habitude, moi, j'enregistre soit dans une voiture, soit là, le micro, il y a une couverture dessus. Du coup, ça fait plaisir d'être dans un studio pro. On va voir si je fais du sale, hein, parce qu'après, là, je parle, mais ça se trouve, je vais pas assumer. Ah ouais, il est prêt. Ça se voit, il sait où il va. Je sais pas si je suis dans la ville du Nord. La mélodie est lourde, hein. En vrai, là, vous m'entendez tous là? Ouais. Ouais, je crois que j'ai toutes mes phrases, donc en vrai je peux poser la lead déjà. Ok. Que demander de plus? Il était prêt. On le savait. Ça va être de plus en plus rapide. Déjà à Lyon on a fait ça en 40 minutes. Ouais, posage 40 minutes. Ouais, tout. Il a une bonne voix, hein. Ah, franchement, Non, en fait il est confiant ouais, de ouf. De fou. Tu l'entends. J'aime bien ce qui se passe. Tu sais que je m'attendais à ce que tu poses en mode kickage et tout. Moi, j'aime bien là, c'est lourd. Merci frérot, ça fait plaisir. Je sais pas si vous vous rappelez, la première prod que j'avais fait écouter la mienne, moi je pense qu'on peut faire un beat avec. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Du coup, il attend bien. Ah ouais. On se rassoit nous. Il sait ce qu'il fait. Hein. En général, c'est la mentalité d'un gars de Bruxelles. Ah ouais? Dès qu'il a une opportunité, en fait, il se prépare tellement à fond à l'avance que quand elle est là. Après, je pense que c'est le beat switch à bien gérer. Faut trouver une bonne transi, quoi. Ouais, comme ça, c'est lourd. Ah, c'est lourd. C'est ce que les réalisateurs de renom font généralement. Ils font comme ça pour voir. Pour voir, ça arrive. Là, l'idée, les refs, c'est qu'on va utiliser cette magnifique gas station. Station de gaz, non. Station service en français. On a le meilleur pilote de France. Qui va nous mettre là, comme ça on va essayer de jouer un peu avec la perspective et faire un truc cool. Enlever ce que j'ai dit sur le fait que ça soit un pilote de renom, mais. Vous commencez maintenant? Ouais. Parfait, ça bien. C'est l'homme qui est dans le van qui a gagné. Je vais te saluer ou quoi? Mon gars, félicitations. C'est toi qui as gagné? Ouais. Sale, l'esquimau, hein. Ouais. Tue ça. Tue ça, trop chaud. Salut, mec. Ça va? Bah vas-y, on se voit après, frérot. On gars, est bon, t'es bon dans la voiture? Tu peux sortir? Viens là où est-ce que tu veux. Yeah. Ok, ça c'est méchant. Bon alors, c'est comment? Ça se passe très très bien, c'est fou, je ne réalise pas ce qui me passe. À 11h j'étais dans mon lit, à midi je rappais dans la rue, à 15h j'étais dans un studio. Expliquez-moi. On enchaîne, direction la deuxième partie. Elle veut que je l'apprenne, que je l'emmarre, que je l'emmarre. Yeah. Moi ce que je veux c'est délire, c'est que la rare et la dernière m'a fait croire. Il est prêt Nico, il est prêt. Ouais, prêt. Ok. Si je suis dans la ville du Nord, maman 5h c'est mon numéro. Mais je m'emballe et là je suis au studio. Bon là on vient de tourner une partie du clip. On est chez JD et on attend la tenue du frérot. Comme ça on fait l'autre partie du clip avec l'autre tenue. La tenue exclusive de chez JD Sport. Avec le frérot il prend ce qu'il veut. T'as, j'ai l'impression que comme quand j'étais petit je voyais des trucs en mode t'as 30 minutes tu prends tout ce que tu veux. Mais genre. Ouais mais là j'en ai pas là. D'habitude c'est les mecs sur TikTok. Là c'est moi là. Les refs, l'homme est habillé en full JD. Il a pris une tenue, la voici.
C'est bien ou quoi? Excellent, on dirait que j'ai percé la crème. Ce qu'on fait maintenant, c'est que là, on fait encore quelques plans ici pour le clip que tu vas visionner juste après mon ref. C'est parti, let's go. On est bon? Let's go. Là, c'est chambé la lumière. Vas-y. Parfait. C'est trop grand. J'en ai fait au grand. J'en ai. Non, c'est bon. God damn, you know. Minuit passé, j'suis dans la ville, you know. Maman s'inquiète, harcèle mon numéro. Mais j'm'en bats les clashs, j'suis au studio. Sous ma mère qu'on a souffert, la vie de moi j'la mec est si fort. Le pur c'est super, les prods de déteste qu'on me support. La dame voudrait qu'on le fasse dans la peine. Pas de blême, je la bloquerai juste après. La vie c'est gueuse, rien n'est plus trop comme avant. Il faut que j'me taille, mais pour ça j'vais faire l'argent. À la plage, je vais décevoir mes parents. J'suis trop dégoûté de l'homme, j'vais m'en sortir comme un grand. Comme un grand, j'vais m'en sortir comme un grand. La vie c'est gay, j'en ai plus trop comme avant. Il faut que j'me taille, mais pour ça j'vais faire l'argent. Il faut que j'me taille, mais pour ça j'vais faire l'argent. Précis, précis, faut que j'apprécie. Elle veut que je la. Que je la marre, que je la marre. Moi ce que je veux c'est des liasses et plus la rare. Et la dernière m'a fait croire qu'elle m'aimait, c'était du crare. Et d'ici 10 ans je pète la somme, wow. Rejouvre les paris, je suis dans le délire un peu qu'un rien. Incorrigible comme me corrige, gagne mes ennemis ces derniers temps. J'ai mal et plus corrigé. Je découpe la prod avec l'épée des arbres de Kiri. Poto je veux des tales donc je ne prends pas de répit, hein. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet épisode à Bruxelles. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi pour l'accueil. Merci à toi. Franchement, merci. Le niveau était très très chaud. L'homme est présent ici. Il a tué ça. J'espère que vous allez streamer. Il y a un clip qui sera déjà sorti. Le Dimo, vidéo sera déjà sorti. Viser la lune arrive par la suite et après on verra. Bon, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, tu connais le like, le commentaire. Et bien évidemment, un grand merci à JD Sport qui nous accompagne sur cette magnifique tournée. Moi, je retourne prendre le van et on se retrouve pour l'épisode suivant, les refs. À la prochaine. À plus. Oh, pardon, excusez-moi. Ce sera la fin de cette vidéo, ça sera comme ça. Je prends pas le van.